Salut YouTube, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petits vlogs, alors aujourd'hui je vous emmène avec moi. Vous le savez, je suis youtubeur, streamer, machin truc depuis 7-8 ans maintenant, c'est mon travail principal, mais je fais des petits trucs à côté. Alors aujourd'hui, je vous emmène voir mon vrai travail, entre guillemets, parce que, bah, je le dis à moitié en rigolant, parce que même moi, des fois, j'ai du mal à réaliser que je suis en train de travailler, je joue à des jeux vidéo, je m'enregistre en train de m'amuser sur Twitch, sur YouTube, bref. Je vous emmène avec moi voir un truc que je vous ai pas montré auparavant. Et d'habitude, je commence toujours mes vidéos avec un carton, avec un unboxing, avec un truc. C'est quoi ça? C'est quoi ici? Aujourd'hui, c'est pas une exception. Marie, viens ici. Regardez ce que j'ai reçu. Regardez tout ce que j'ai reçu. Regardez-moi tout ça. 1, 2, 3. Il y en a 60 000. J'ai reçu 60 000 livres. Les mondes d'I Kill You. Je sais pas qui est-ce qui m'a envoyé ça, je sais pas comment ça se fait, je connais pas ce livre. Non, sérieusement, j'ai déjà reçu plein de retours, plein d'entre vous ont déjà acheté le livre, l'ont lu, m'ont fait des commentaires, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et ça, c'est un lot que j'ai reçu pour la famille, pour les amis. Le bouquin est disponible partout en librairie, sur internet, que vous soyez en France, que vous soyez ici au Québec, que vous vouliez l'acheter à une librairie, que vous vouliez l'acheter en ligne, il est disponible partout. Mais là, je vais être en retard pour le taf. On s'en va. Est-ce que j'ai... Faut que j'aille... Faut qu'on s'habille chaudement parce qu'il fait moins 20 degrés. On est au Québec, on est à Montréal. Dernière chose, je viens de me rappeler vu qu'on est à Montréal. Si vous êtes à Montréal ou dans les environs, si vous êtes au Québec, samedi et dimanche, 13h à 15h au Salon du Livre. Je veux vous voir, que vous ayez le livre ou pas, amenez-vous. Il y en aura en vente sur place. Si vous avez déjà le vôtre, ramenez-le. Si vous voulez, je vais faire un petit gribouillis dessus, un petit dessin ou un truc comme ça. Bref, je veux vous voir, peu importe, Salon du Livre de Montréal, samedi et dimanche. Le kiosque est indiqué dans la description. 13h à 15h. J'ai fini de jacter, on peut aller travailler. C'est parti, amenez-vous. Hey Sven, salut. Dis bonjour Sven. Dis bonjour, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sven. Je vous ferai une petite vidéo avec lui bientôt là. Ça va mon bébé? Ça va mon bébé? Fais-moi un bisou. Non? Ah, je pensais qu'il allait le faire. Je vous ferai une petite vidéo avec Sven bientôt pour vous tenir au courant de ce qui se passe. C'est l'heure d'aller au boulot. Faut s'habiller chaudement parce que comme je vous l'ai dit, il fait moins 25 000 degrés. C'est parti, amène-toi. Mon casque, je vais en avoir besoin pour la concentration. J'entends déjà plus rien. Et j'oublie un truc. Comme ça, je vais être bien. Je vais bien en avoir besoin. Là, je suis vraiment prêt. Allons-y. Regardez-moi ça. Montre-leur. Moins 8 degrés. Heureusement que je taffe juste à côté de là où j'habite. C'est au bout de cette rue. Juste là, là. Juste là, dans les locaux de Musique Plus. Il fait vraiment froid. Amène-toi. Il fait vraiment très très froid ici. Mesdames et messieurs, bienvenue chez Musique Plus. C'est là que je travaille. À la télévision, c'est ma deuxième année maintenant sur la même émission. Je vous en avais parlé de façon... Je pensais que la porte s'était ouverte. Je vous... T'entends le bruit ou c'est juste moi? Non, j'ai l'entendu. C'est terrifiant. Ah, c'est la porte d'à côté, je pense. Donc, je vous en ai parlé furtivement de ce boulot-là. Je le faisais l'année passée. J'ai été repris cette année aussi pour l'émission. Et je voulais vous montrer les coulisses, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais depuis maintenant 2 ans. Il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, au lieu de vous embrouiller à parler pendant 3h30 comme je fais d'habitude, parlons peu, parlons bien. Je vous emmène avec moi visiter au fur et à mesure ce à quoi ça ressemble. Il y a trop de bruit ici. On va rentrer vite. Amène-toi. Juste ici, suivez-moi. On va rentrer. Pour l'instant, c'est noir. Il n'y a pas de lumière, mais juste derrière les rideaux ici. Viens, viens, viens. Suivez-moi. Tada! Nous y voilà. Voici mon plateau de tournage. Je dis mon plateau de tournage comme si c'est moi qui l'avais construit. Mais c'est ici qu'on fait l'émission. Depuis 2 ans maintenant, le plateau a changé. Il y a des caméras partout. Il y a des lumières partout. Là, l'équipe est en train de préparer l'émission. Ils sont en train de préparer le script. Ils sont en train de préparer l'organisation et tout. Donc, c'est très, très calme. Je suis là. Je peux me promener. Je peux arriver, je peux faire ce que je veux, mais vous allez voir que dans quelques temps, vous allez voir, ça va changer. Tout le monde va se mettre en place. C'est une émission en direct, alors c'est en live. Ça bouge beaucoup. Plusieurs étapes, on va y aller dans l'ordre. Pour l'instant, on va aller dans les loges en coulisses pour se faire beurrer le visage un petit peu, cacher la calculatrice. On y va. Ici, il y a toute l'équipe. Regarde comment ils sont concentrés. Ils sont tous là en train de travailler. Salut. Hello. Ok, on va monter, c'est juste ici. On a un baby-foot de flemmard. Si tu veux t'asseoir ici et jouer, si t'as la flemme de rester debout en jouant baby-foot, tu joues comme ça. Tu peux t'asseoir ici aussi. Quoi? Ah oui, tu peux t'asseoir en face aussi. Yes, petite table de baby-foot. Mais non, sérieusement, trêve de bavardage, je suis un petit peu en retard, j'ai 10 minutes de retard. Je pense qu'ils m'attendent en haut. Allons-y. Salle de stockage de l'équipement juste ici. Viens voir. Regarde. Tout le matériel, tout l'équipement, les câbles XLR. Les casques ici pour l'audio, l'organisation. Ça change de mon placard. Hein. C'est pas pareil. Regarde les prises là-bas, les méga prises et tout. Oh là là, ça c'est la salle de stockage de tout le matériel audiovisuel. Alors, direction l'étage, comme je vous l'ai dit, on nous attend. Allons-y.
Allons-y. C'est grand, c'est très très grand, c'est un labyrinthe. Mais vu que ça fait presque 2 ans, au bout d'un moment, on s'habitue. Regardez-moi ça. Les artistes, ils ont dit. Les artistes. Artistes. Viens. Allô. Allô. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Wow, vous avez le jeu, ça va très bien, en film. Salut, la caméra. En film, ça vous dérange pas qu'on vous voit dans une vidéo? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les caméras? Ils sont à l'aise, on est à une émission de télévision. On est dans les loges, on va se faire maquiller, on va cacher tout ça. Puis, bon, me faire coiffer, ça c'est... Oh my god! Oui, ouais, c'est ça, oh my god, c'est ce que je me disais aussi. J'ai perdu un défi, ok? J'ai perdu un défi, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Et 5$ de bleach, c'est ça que ça fait. Puis j'ai pas le droit de l'enlever. Ouais, un bleach à 5$ sur ma tête. C'est cher! C'est cher! Ouais. J'ai une canne. Tu sais ce que me l'a donné? Bonjour. C'est très très bon. C'est bon pour mon régime aussi. C'est ce que je disais. Bon, ça c'est moi avant, ok? Ça c'est moi avant, 2 secondes. Et ça c'est moi après! Regardez, j'ai plus de cernes. J'ai l'impression d'avoir dormi là tout d'un coup. Je me vois dans le miroir. C'est trop bizarre. Bon, il y a des méga lumières blanches sur ma tête. Donc c'est sûr que ça a l'air vachement épais. Mais à la télévision, ça passe bien. Regardez, avouez que vous habituerez quand même à me voir comme ça. Sans les cernes, sans les 40 000 boutons et tout. Moi, je m'y habituerai. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller se préparer pour les répétitions. Faut que j'aille me préparer quelques petites fiches. Parce que comme je vous l'ai dit, on est en direct. Mais il faut quand même que j'ai des petits indices, une petite cue. Je vais vous montrer le déroulement de l'émission, vous allez voir, c'est très cool. Et juste avant, pour vous situer un petit peu, parce que c'est quand même assez pertinent pour ceux qui connaîtraient peut-être pas l'émission, on est sur OD+, en direct. La partie en direct, je vous en ai parlé. Mais OD+, c'est une extension de l'émission Occupation Double, qui est une grande émission de télé-réalité ici, la plus grande émission de télé-réalité au Québec. On parle de centaines de milliers de téléspectateurs. Et après Occupation Double, tous les jours, il y a notre émission à nous, OD+, en direct. Et en fait, c'est un plateau dans lequel on va parler, c'est un talk show. On va parler de ce qui s'est passé à l'émission. On va parler de ce dont on a envie de parler. C'est un peu une approche un peu plus internet, jeune, cool, sur une émission, tout simplement. Et en fait, moi, mon approche là-dessus, c'est que souvent, je fais des chroniques autour d'Internet, parce que c'est mon truc. Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, que disent les gens, les memes, les blagues, etc. Donc, ouais, ça fait maintenant 2 ans. Je me voyais pas faire ça, la vérité, au début, quand on m'a contacté, on m'a dit, de 1, la télévision, et de 2, la télé-réalité, 2 trucs que je connaissais pas du tout. Mais après avoir essayé, je dois vous dire que je commence à m'habituer, vous allez voir. Je suis dans mon élément. C'est parti. C'est là que ça commence à devenir réel, là. C'est là que le stress entre en jeu. Ça fait 2 ans que je fais ça, c'est toujours aussi stressant parce qu'on est en direct et tout, et je suis toujours pas à l'aise. Un jour je le serai, mais c'est pas encore arrivé. Alors ces petits cartons là, avec le nom de l'émission, c'est là que je vais noter ma chronique d'aujourd'hui. Je l'ai préparée d'avance, comme je vous l'ai dit, c'est un taf qui me prend une petite journée. Tu sais, je reçois les épisodes quelques jours d'avance, je les visionne et je trouve un angle, quelque chose dont j'ai envie de parler. Vous allez voir dans quelques instants. Aujourd'hui j'ai été, comme je vous en avais parlé, j'ai été sur internet. En fait j'ai contacté des proches, des amis et la famille des candidats qui sont dans la télé-réalité, dans l'émission. Et je leur ai demandé des anecdotes, des photos. Donc c'est ça dont je vais parler aujourd'hui, entre autres. Aussi des tweets, des posts, etc. Le gars d'internet, c'est moi. Maintenant, laissez-moi rédiger ma... Pas rédiger ma chronique, mais rédiger mes petits points. Vous savez, là, vous voyez, là, j'arrive plus à parler, c'est le stress. Vas-y, va-t'en là, laisse-moi tranquille. Bye. On prépare la répétition. On dirait que j'écris beaucoup, mais c'est vraiment une fraction de ma chronique. C'est genre des points de repère. Je pense que c'est plus drôle. Des points de repère, des idées que j'avais, des trucs que j'avais envie de dire. 4 minutes de blabla là, ça rentrerait pas là-dedans. Donc faut que je fasse court. Est-ce que tu t'en fais 2 ou tu t'en fais juste 1? Ah non, j'aurais besoin probablement de 2-3, je pense. Un pour chacune de mes photos, parce qu'en fait, au fur et à mesure que je parle, on va balancer des photos que j'ai envoyées au préalable. On va en parler là. Chronique de Nabil. Let's go. Alors, j'ai été sur les internets comme d'habitude. Première photo, première chose que j'ai trouvée, Twitter. On voit ici une photo de l'atelier, donc c'est la première photo du tweet. Mm-hmm. Ensuite, le résultat final, quelques secondes après, je vais en parler. On a mis les deux ensemble sur la même page. Ah ok, c'est bien correct. Ça va être plus beau, les deux sur la même page, on voit l'atelier, le résultat final de la photo. Ouais. Ensuite, les messages des proches et des amis, à commencer par celui envoyé pour Renaud, envoyé par Simon. Donc le message de Simon que je vais vite fait survoler, le petit PS, etc.
Ouais. C'est juste la regarder, les photos des dessins et tout ça, c'est les photos que j'ai envoyées à la prod. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que, au fur et à mesure que je vais parler, ils affichent ça, il faut qu'on synchronise comme il faut et tout. Regardez, ça là, j'arrête pas d'essayer de lui en prendre. Juste un, c'est des micros, c'est tout petit. J'essaye. Il me faut un micro comme ça, moi. Ouais, mais en fait, c'est... Tu pars juste avec ça, il te manque la base. Ouais, c'est vrai qu'il me faut le transmetteur. Hein. Ouais, c'est ça. Le récepteur plutôt. Le récepteur, ouais, ça c'est le transmetteur. Il me faut le récepteur. Mais c'est pas grave, ça fait la moitié déjà, c'est pas mal. C'est la moitié. C'est des Sennheiser. 2 000 $ ce truc. C'est pour ça que je veux le prendre. Comment on met ça, Nadil? Tu nous montres? Ça, c'est à peu près comme ça, ça passe sous le t-shirt. Normal, c'est des petits, c'est des micros. Ils sont reliés à la régie derrière. D'ailleurs, on ira faire un tour là, c'est juste là-bas, tu vois la vitre? Oui. C'est juste là-bas la régie. Sans la regarde. Juste là, viens voir. Tu vois tous ces écrans? Tu vois tous ces ordinateurs? Tu vois tout ça? C'est la salle de contrôle. C'est ici le launchpad où il décide de quelle caméra afficher, il décide de quelle image balancer, quelle vidéo balancer. Vu qu'on est en direct, c'est du travail sous tension. Viens voir. Salut. Bonsoir. Je viens de déranger la paix vite fait. On voulait filmer un petit peu à quoi ça ressemble votre setup. Regarde. 50 000 écrans. Super léger, hein, ouais, c'est bien ça. On dirait Star Trek. Ouais. On dirait que je suis dans Star Trek, regarde ça. Ouais. Le launchpad, les différents leviers et tout. Le pupitre d'aiguillage. Ouais, pupitre d'aiguillage. Ouais. Ça sonne bien ça. Ouais, vous avez toutes les caméras, toutes les scènes, tout en face. David ? Oui. On va faire la promo ? Ah, la promo. T'es pas habillé pour la promo ? Ah oui, c'est vrai, faut que je sois habillé pour la promo. Oui. Alors la promo, c'est la publicité qu'on balance pendant la grosse émission. Pour dire qu'on va être en direct après l'émission. Mais pour ça, il faut que j'ai les vêtements version finale. Donc je vais m'habiller, ils sont juste là. Vite. Écoute-moi bien, toi, je t'entends. Hein. Du coup, alors, c'est ouf. Il se fout de mon accent. Mais ouais, on voit pas le t-shirt de toute façon. J'aurai cette veste-là à l'émission. Et le t-shirt sera en dessous. Regardez, mon t-shirt pour l'émission, c'est celui. Mais il est caché. Il est supposé être caché sous ma veste. C'est mon idole. C'est Maud. Non, mais c'est parce que en fait, je parle d'elle. Et dans ma chronique, il y a une photo avec ses potes qui portent tout ça. Alors j'en ai fait faire un pour l'émission. C'est ça ? 6. Attention, on voit le spot. 4, 3, 2, 1. Petit appel au D à Musique Plus. On fait les prédictions avec une voyance. Moi, j'ai des messages privés assez intéressants à vous montrer. Pierre, tu me parles d'Odé ? Non. L'occupation d'Odé pour mes noms d'Odé. Une présentation des boissons True Love, signée Poppers. C'est la bonne. Tiens, we did it, jeu d'acteur, 10 sur 10. Je vais me recycler, fini YouTube, fini Twitch pour moi. À partir de maintenant, si vous voulez me signer pour des petits contrats d'acting ou quoi. Non. La machine à boucan a finalement fonctionné. Juste là, regarde, c'est ça. C'est ça qui faisait toute la fumée. Elle a fini par marcher. La promo est faite, ça passe là, pendant que l'émission était en train de jouer, comme je vous l'ai dit. Et on invite les gens à venir nous regarder après l'émission. Qui est en direct dans une heure. On est en direct dans une heure. Il faut qu'on fasse une répétition avant. Bonsoir, c'est OD Plus en direct, la dernière de la semaine. On est avec vous du lundi au mercredi à 19h. Et les dimanches, pour les dimanches, je t'ai demandé. À 20h ce soir, je suis en compagnie Nabil Darèche. C'est moi-même. Bonjour, mon cher. Enchanté, ça fait plaisir. Belle rencontre, belle découverte. Et Pierre-Yves Desmarais. Répétition faite, ça nous permet de tester un peu le timing, voir si on est dans les temps. En plus de ça, essayer de parler. Et évidemment, il faut garder un peu des surprises. Moi, j'ai pas mis mon t-shirt, j'ai pas fait mes blagues, oh, trop drôle. Mais on est prêt. Là, c'est la dernière ligne droite. On attend qu'il soit 19h, la fin de Occupation Double sur V. Et on débarque sur Musique Plus en direct pour 30 minutes. Mm-hmm. Ok, bah on se tient au courant. Exact. À tantôt, à demain. À toutes, ancien jeu. Allô. Mais je peux te redire ça à la fin de. On commence dans 4 minutes. Regardez. On a un extrait exclusif pour demain. On a des petits verres avec le nom de l'émission et tout. C'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité. On est en direct dans 3 minutes. Tout est prêt, regardez. J'écris plein de trucs. J'écris plein de petits points de repère. Juste écrit. J'ai écrit. Est-ce que ta surprise est mise ici? Oui, j'ai mis mon t-shirt. Regarde, tac. Là, je suis en mode zen. On passe en live dans 2 minutes. Le gros problème aujourd'hui, le fait que tout le monde sache qui
peux, admettons, les filles, ou whatever, si ça va un peu plus monter à la tête, ou whatever. Je sais pas comment tu vas agir. 20 secondes. Bon spectacle. 15 secondes. Ce soir, pour la dernière de la semaine, Nabil Larèche fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire d'aller débusquer la petite information sur les interwebs à propos de nos candidats. Pierre-Yves Roy-Desmarais m'a demandé de vous dire que ce soir, il ne parlera pas d'occupation double, mais bien d'ODPRES. Et on va faire un voyage à travers l'espace et le temps avec Juliana, la fée de l'Ouest, la clairvoyante qui va faire ses prédictions sur les coupes de l'aventure. Grosse émission, bienvenue à Ode Plus en direct. Bienvenue au D+ en direct, on est avec vous du lundi au mercredi à 19h. Ce soir, c'est la dernière de la soirée, de la semaine plutôt, mais dimanche, on va être de retour à compter de 20h pour les dimanches tellement D. Et là, on sera à Musique Plus, à D et sur le nouveau.ca. Ce soir, on m'accompagne Pierre-Yves Roy-Desmarais. Ben oui! Bonsoir! Bonsoir! J'adore ce chandail saumon. Ah, t'es fin! Toutes mes félicitations pour ça. Nabil Larèche. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. J'ai perdu un défi, c'est tout ce que je dirais à propos de ça. Ça va bien, ça te donne un kick, ça te donne un edge. Très heureux que tu sois là ce soir. Pendant la pause, comment ça s'est passé? Très très bien passé, c'était fluide, c'était du flow, c'était en direct, c'était du live, c'était parfait. Deuxième séquence, PY qui va faire sa chronique. Moi je suis en troisième segment. Après la deuxième pub, je passe. Et je vais. Là pour l'instant c'est tranquille, des interventions, des petites blagues, des petites rigolades. Mais comme d'habitude. Attention, 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, retour dans 5. Nabil, t'assois sur ta gauche. Dans 3, 2, 3, 2. On est de retour à Ode Plus en direct en compagnie de Pierre-Yves Roy-Desmarais. Nabil Larèche et Nabil, comme d'habitude, allez faire un petit tour. On s'est permis de se venger un peu, puis on a été voir nous autres sur les réseaux sociaux. Et voici ce qu'on a trouvé. Je vous raconte c'est quoi. Félicitations à mes parents qui doivent nous écouter en ce moment, qui doivent nous regarder. C'est à mon bal de finissant en secondaire 5. J'avais joué le rôle de Clopin dans Notre-Dame de Paris cette année-là. Et comme Luc Merville à l'époque avait des cheveux très longs, très denses, j'avais décidé de me faire tresser les cheveux comme ça. Donc je disais manger à la bisette, t'allais faire un petit tour sur le web pour trouver des informations. C'est ça, je t'emmène en fait faire une petite virée sur internet. Allons-y. Et notre premier arrêt se trouve être sur Twitter. Et je suis jaloux. Moi aussi. Moi aussi je veux le même chandail. Et je trouve que j'ai un petit peu chaud. Non. Donc je vais enlever. Pas faire ça. Ma veste. Non. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Oui. Et ce que vous voyez pas sur la photo, c'est ce qu'il y a dans le dos, juste ici. Team Momo. C'est ma nouvelle team. Let's go Maud. Je te soutiens. Wow. Au début j'étais pas sûr, mais je l'aime bien Maud. Merci les filles, vous êtes vraiment très belles. Merci pour la photo. Et pour finir, on va faire un petit tour sur Facebook. Facebook c'est toujours magique. C'est ce qui conclut ma petite promenade, mon petit tour. J'en ai plus pour la prochaine fois, mais pour l'instant, je repasse la parole à Nico. Merci, mon cher Nabil. Tu sais, ce qui est beau aussi, c'est ce chandail que tu vas porter très, très longtemps. Ode Plus en direct, du lundi au mercredi 19h et le dimanche 20h à Musique Plus. Nous, on se retrouve dimanche pour les dimanches tellement Ode en compagnie de Marilyn Jonca, Guillaume Pinot, nos invités, Julie Snyder, Anne-Marie Wittenshaw et un invité surprise. Ouh. Qui ce sera pour être là dimanche à compter de 18h30 à Ode Plus en direct et à Ode et ensuite à 20h avec nous à Ode Plus en direct pour le savoir. Bravo! C'est fini! Hey, ça passe toujours super vite. Mais je vais vous montrer, regardez le setup. Ce que moi je vois ici. Moi je suis là. Il y a toutes les lumières. Hey, ça c'est Marie, on t'a pas vu. Salut Marie. Comment ça va? Mais ça va, toi. T'as toutes les lumières dans le visage. Attends, je vais régler ça. Et regarde, voilà. Paf, là il y a Marie. Ça c'est l'écran. Ça c'est l'écran sur lequel je vois le retour. Il y a plein de caméras en face. Vous voyez, caméra là. Et toutes ces caméras là ont une lumière rouge lorsqu'elles tournent. Donc des fois on me voit, des fois on me voit pas, je suis relax. C'était cool ou pas? Voilà, c'était très cool, vraiment t'as bien fait ça pour de vrai. Excellent. That's it. C'est fait. C'est fait.
Ah, je peux me reposer ici. Ah. Ah, ça fait du bien. C'est beaucoup d'heures passent, hein. Je suis arrivé ici à 16h. Il est maintenant 20h presque, un petit peu... Quelle heure est-il? Il doit être 19h40. 19h40, exactement. Beaucoup de temps est passé, mais... Bye bye Nico. Ouais non, j'aime ça, c'est cool, parce que c'est différent de ce que je fais d'habitude. C'est pas forcément une émission qui tourne autour de ce que je fais, ou de moi, ou de YouTube, ou tout. C'est vraiment un truc détaché que je fais à part. Et c'est pour ça que j'aime ça, et que c'est cool. Alors encore une fois, j'espère que vous avez kiffé regarder jusqu'au bout. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tout ça, tout ça. Mettez des likes, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était une grosse journée, je commence à fatiguer, je commence à radoter et à me répéter. Mais j'espère que vous avez apprécié m'accompagner. Ok, j'arrête. Mais vraiment, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je voulais partager ça avec vous, comme je vous l'ai dit. C'est un petit peu mon taf. C'est détaché de ce que je fais d'habitude, de YouTube, de Twitch. C'est pas, ça tourne pas autour de mon univers, de ce que je fais d'habitude, de mon monde. C'est un tout nouveau challenge, un tout nouveau taf, une toute nouvelle entreprise pour moi que je fais depuis plus d'un an maintenant et que j'apprécie beaucoup. Alors à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Salon du livre, samedi, dimanche. Je vous ai dit, il y aura des livres en vente. Donc si vous n'avez pas chopé votre livre, c'est pas grave, il y en aura sur place en vente. Amenez-vous si vous voulez que je vous gribouille quelque chose dessus, si vous voulez qu'on prenne des photos ensemble, si vous voulez juste me dire ce que vous en avez pensé. Je vous attends au salon du livre. Toutes les infos sont dans la description. C'est samedi et dimanche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous êtes les best. Si vous êtes encore là, mettez un like. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. C'était Nabil, ciao tout le monde. Peace.